C'est d'ailleurs la chanteuse qui en parlait le mieux en 1979, dans les colonnes de Paris Match. Elle a rencontré en 1974 son futur mari, Michel Berger, et ce dernier l'a sortie de son train-train. Le 14 novembre 1978, elle a donné naissance au premier de leurs deux enfants, Pauline. Sponsorisé par American Express. Lire aussi de France Gall, Pauline était son ange. Michel Berger et Luc Plamondon ont mis 3 ans à écrire et composer l'opéra rock, dont la mise en scène sera imaginée par l'américain Tom Morgan, à qui l'on doit R et Jésus-Christ Superstar. Aux côtés de France Gall, on retrouve une jeune génération de chanteurs, Nanette Workman, Diane Dufresne, Fabienne Thibault et un certain Daniel Balavoine.